Les COMPO 136 sont classés dans une bibliothèque à droite de l'interface graphique. Ici, on choisit un capteur solaire thermique. Après l'avoir ajouté au projet, on peut modifier ses paramètres par défaut. Les composants de sortie, comme cet afficheur de valeurs, permettent d'observer les variables des modèles. On crée simplement un lien vers un modèle de sortie et on choisit les variables qu'on souhaite observer pendant la simulation. Pour élaborer un projet avec 36, on peut se servir d'un assistant. Ici, on crée un projet de bâtiment multizonal. L'utilisateur répond simplement à une série de questions concernant les principales données du projet. Les volumes, le zonage, les principaux orientations, les surfaces vitrées, le chauffage et la climatisation, l'infiltration, la ventilation, les apports, les protections solaires, etc. À partir des informations saisies, l'assistant crée un projet qui peut être directement simulé. Tramsys peut utiliser la plupart des sources de données météo existantes. Ici, nous utilisons le logiciel Meteonorm. Meteonorm permet de créer directement des fichiers au format TMYK2. Tramsys lit de nombreux autres formats de données, on peut même définir son propre format. Pour coupler la météo à la simulation, il suffit d'ajouter un lecteur de données à partir de la bibliothèque. On saisit ensuite simplement le nom du fichier créé avec Meteonorm dans les paramètres du lecteur. Il ne reste plus qu'à connecter les variables du fichier météo aux variables utilisées dans la simulation.